La Minute Techno vous est présentée par Swapcash. Bienvenue dans la Minute Techno. Le développement de la prochaine version du système d'exploitation mobile de Google, Android 13, est déjà bien avancé. Une version destinée aux développeurs d'applications est prête. La première chose à noter est un renforcement de la sécurité des données personnelles. L'utilisateur pourra contrôler plus facilement le niveau de confidentialité accordé aux applications. Par exemple, lorsqu'une application a besoin d'accéder à la galerie de l'utilisateur, ce dernier pourra limiter l'accès à certaines photos ou vidéos. L'OS limitera également le partage des données de localisation à travers le Wi-Fi. L'interface devrait également évoluer par rapport à Android 12. Le système de couleurs dynamiques sera par exemple étendu à l'ensemble des applications. Leurs couleurs pourront s'adapter à la teinte du fond d'écran. D'autres nouveautés seront présentées lors de la grande conférence Google qui se tiendra en Californie en mai prochain. Comme chaque année, la nouvelle version d'Android sera déployée au second semestre, d'abord sur les Google Pixel, puis chez la plupart des smartphones des autres marques. Au revoir et surtout, restez branchés! Le principe du mobile swap de Swapcash est simple. Nous vous payons pour reprendre votre portable Apple, Samsung ou Huawei s'il est éligible selon l'année de fabrication. Recevez le montant agréé instantanément par Juice. La valeur du portable repris peut aussi être créditée pour l'achat d'un appareil reconditionné importé Apple ou d'un appareil neuf. Portable, tablette, laptop. Vérifiez si votre portable est éligible pour une reprise sur www.swapcash.mu ou en téléchargeant notre application. Ensuite, dévalisez-nous.